Vous avez pu les suivre toute cette semaine, passée dans vos journaux régionaux. Les élèves du lycée agricole de Châteauroux ont tourné un film suédois d'après les temps modernes de Charlie Chaplin. Un film suédois, c'est un remake avec des acteurs amateurs qui fait l'objet d'un festival à Chartres. 12 films étaient en compétition cette année et nos lycéens ont obtenu le prix du défi technique. Reportage Catherine Lacroix, Jean-Philippe Adzi. Une ambiance survoltée et des jeunes motivés pour faire de ce troisième festival du film suédois un événement qui restera dans leur mémoire. À la veille du bac, que la plupart des 340 présents vont devoir passer, les engagements pris par les organisateurs et professeurs d'éducation socioculturelle des 11 lycées agricoles de la région ont été suivis à la lettre. Notre objectif, c'est de leur faire découvrir le cinéma, sa diversité, mais aussi de les rendre acteurs de projets culturels, où ils se retrouvent donc aussi et devant et derrière la caméra. Aidés de professionnels, le travail fourni, très riche et contrasté, des 12 films en compétition a bluffé le jury, lequel, chargé de remettre 8 prix, en a créé un 9e, celui des meilleurs costumes. La qualité des réalisations a été largement soulignée par le président. On a été frappé par la qualité et l'engagement, parce que la qualité, c'est pas quelque chose d'un peu immatériel, c'est vraiment un engagement de travail en allant au bout des contraintes esthétiques des films, des films qui étaient tous différents les uns des autres. Donc ça nous a beaucoup impressionnés. Oui. Les lycéens Berrichon, venus représenter leur groupe, auront remporté le prix du défi technique. Une récompense qui, pour eux, est une reconnaissance de leur engagement à la réalisation d'engrenages pour lequel ils auront tous beaucoup travaillé. On est content quand même d'avoir eu le prix, parce que c'était quand même du temps passé, et puis dans des moments, enfin, c'était assez dur, quoi. Un diplôme atteste de leur succès, que sans nul doute, ils auront à cœur de partager avec leurs camarades, même si demain, ils doivent se remettre à leurs chères études pour préparer leur bac. Nul doute que cette expérience leur restera en mémoire. À direction à présent le domaine de